Quelques jours après l'ouverture du Festival de Cannes, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps s'est rendue sur le tapis rouge. Invitée pour défendre deux films, elle est venue présenter Corsage le vendredi 20 mai 2022. Dans ce film en lice dans la sélection officielle Un certain regard, elle y incarne l'impératrice Sissi. Vicky Krieps a fait sensation sur le tapis rouge du festival. Vêtue sobrement d'une longue robe blanche, d'accessoires dorés et d'escarpins noirs, elle a défilé tout sourire et a pris la pose sous les flashs des photographes. Accompagnée par Marie Kreutzer, l'actrice de 38 ans et la réalisatrice du film se sont montrées particulièrement complices. Vicky Krieps, Gaspard sera vivant à l'écran. Samedi 21 mai, Vicky Krieps se rendra à nouveau sur le tapis rouge pour un moment particulier. Cette fois, elle viendra défendre le film Plus que jamais d'Emily Hatem. Ce long métrage marque le dernier film dans lequel Gaspard Ulliel est apparu à l'écran, avant sa mort tragique dans un accident de ski, le 19 janvier 2022. Avant la diffusion du film, Vicky Krieps, qui était particulièrement proche de l'acteur de 37 ans, a confié lors d'une interview accordée au magazine Paper Jam, « La projection ne pourra être qu'un joli moment, vu que, le temps de ce film, Gaspard sera vivant à l'écran. » Être présent à Cannes, dans un dernier long métrage qui parle ainsi de l'amour d'un couple, et de comment cet amour peut survivre à la mort, si est-il une belle analogie. Forte et profonde. Un beau moment qui sera forcément chargé en émotions. Loading widget.